Santorini est un jeu abstrait de placement, sur le thème de l'architecture. Les joueurs incarnent des bâtisseurs qui s'affrontent sur l'île de Santorini. Les bâtiments de l'île de Santorini ont une architecture particulière. Ils sont composés de trois niveaux, qui s'empilent les uns sur les autres. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Un dôme ne peut se placer que sur le troisième niveau, et rend la construction inaccessible. Le but du jeu est simple, être le premier à amener un personnage en haut du niveau 3. Au début de son tour, le joueur déplace l'un de ses personnages sur une case vide adjacente. Ce déplacement peut être diagonal. Les personnages peuvent monter sur un niveau de maison directement supérieur, mais ils n'ont pas de limite pour descendre. Le joueur construit ensuite un niveau de maison, ou un dôme, sur l'une des 8 cases entourant le personnage qui s'est déplacé. Si un joueur est bloqué, et ne peut pas se déplacer puis construire, il perd la partie. Le mode avancé de Santorini ajoute des dieux, qui viennent perturber les règles de base. Les dieux apportent des capacités spéciales. Il en existe 30. Parmi eux, 10 sont des dieux basiques, et 20 des dieux avancés. Au début de la partie, l'un des joueurs en choisit autant que le nombre de joueurs, et les place sur la table. Son voisin de gauche en sélectionne un, et ainsi de suite. Les pouvoirs des dieux se déclenchent à certains moments spécifiques. Les joueurs doivent les appliquer à la lettre. Ils permettent de se déplacer sur une case occupée, de faire un mouvement supplémentaire, de retirer des blocs, de bloquer l'adversaire, etc. Certains modifient même les conditions de victoire. Le matériel de Santorini est magnifique. La zone de jeu se crée en clipsant le plateau sur une falaise en 3 dimensions. Les blocs de construction sont en plastique, et chaque niveau a un design particulier. La ville s'élève réellement sous les yeux des joueurs. Les personnages sont représentés par des figurines en plastique, un homme et une femme.